Écoutez, c'est totalement, c'est une image totalement surréaliste. Vous aviez vu ces images ou pas? Non. Jean-Michel Écarian, bonjour, vous êtes médecin humanitaire, président de l'association iMed, anesthésiste réanimateur. Merci de répondre à nos questions. Merci. Le 27 septembre 2020 jusqu'au 10 novembre 2020 va se dérouler une guerre de 44 jours entre la République autoproclamée du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Vous avez été face à face avec de nombreux blessés et des morts dans un bunker de l'hôpital de Stepanakert. Que s'est-il passé? Alors, nous étions une équipe de trois. Il y avait le docteur Aram Terminassian, qui est celui d'entre nous qui est resté le plus longtemps. Il y avait le docteur Chambalian et moi-même. Nous sommes donc partis en troisième semaine. Ce que nous avons vu, ce sont des images effroyables. Bien que nous soyons des médecins, Chambalian, chirurgiens, nous sommes habitués à avoir des images difficiles, que ce soit lorsqu'on prend en charge des blessés de la route, ou lorsqu'on prend en charge tout simplement des patients extrêmement lourds. Là, il s'agissait d'une guerre, et que l'on peut dire, même si toutes les guerres sont sales, il s'agit vraiment d'une sale guerre. La violence, la quantité des blessés, des morts, et la manière dont ont été employées des armes non conventionnelles nous ont montré des blessures nouvelles et nous ont montré des visages de jeunes qui se sont engagés volontairement, d'autres de l'armée régulière, pour pouvoir défendre la terre ancestrale sur laquelle ils sont nés et ils ont grandi, qui appartient à l'Arménie depuis 2000 ans. Et bien entendu, c'était extrêmement choquant, et à ce jour, on a encore beaucoup de mal à se remettre de ces images. Oui, parce que ce que le public français ignore, et vous allez pouvoir en attester, de nombreuses images sur les réseaux sociaux ont été répandues, tournées, filmées, montrant des atrocités inimaginables, que l'on peut même dire tout simplement barbares. Il s'agit d'égorgements, de soldats vivants, de tortures, d'amputations en direct, etc. Est-ce que vous avez vu ces images? Et est-ce que ces images existent? Et est-ce qu'elles ont été authentifiées? Ces images, je les ai vues, elles existent. Il y a les blessés de guerre qui sont dans des états inimaginables, qui sont épouvantables. Et il y a aussi les civils qui ont été faits prisonniers, torturés, exécutés sur place, égorgés. Et les prisonniers qui sont actuellement plusieurs centaines, très probablement, dans les prisons azéries, subissent tous les jours des tortures absolument dans une violence absolument inouïe. Pourquoi est-ce que ces images sont authentifiées? Tout simplement parce qu'elles ont été filmées par les Azéris eux-mêmes, et pour saper le moral des gens qui sont restants et des combattants, elles ont été envoyées sur les réseaux sociaux et même aux familles des victimes. Excusez-moi, mais ces images-là, elles sont terrifiantes, elles sont insoutenables. Elles ont été envoyées à l'ONU. Pourquoi aucune réaction? Moi, j'ai été très surprise que de nombreux médias qui les auraient reçues n'en aient jamais parlé. Comment vous expliquez ça? Dans les explications, il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas. D'abord, probablement que l'ONU a un pouvoir limité, non pas de diffusion des images, mais d'action sur les États voyous.
comme l'Azerbaïdjan. Ensuite, il y a certainement des intérêts financiers, incontestablement, puisque nous savons que la corruption bat son plein. C'est un des moyens de l'Azerbaïdjan de pouvoir avoir des alliés au niveau de parlementaires, et en particulier de parlementaires européens, mais pas que des Européens. Et la lenteur de la réaction de l'ONU a été probablement pour des raisons diplomatiques. Parce que là, pour que tout le monde comprenne, il faut bien imaginer qu'il ne s'agit pas d'une vidéo, mais il y a plus de 500 vidéos d'atrocités. 500 vidéos, on a des blocs entiers d'archives. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Mais de tortures qui sont commises face caméra avec le visage des persécuteurs montré. C'est inimaginable. Je pense même que lorsqu'on le raconte, des gens ont beaucoup de difficultés à le croire. Alors, la chance qu'on a, ces images-là, je vous en montrerai quelques-unes, elles ont été authentifiées par l'ambassade d'Arménie. Également. Mais elles sont, la quantité est gigantesque. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez... Je ressens plus que de la colère. Est-ce que vous avez le sentiment d'un deux poids, deux mesures Totalement. Ça, c'est le sentiment qu'on a d'ailleurs depuis longtemps, puisque l'Azerbaïdjan n'est pas à son premier essai. Il y a eu la guerre des 4 jours en 2016, la guerre des 4 jours que l'Azerbaïdjan a perdue. Ils ont attaqué par surprise... au mois d'avril 2016, l'armée du Karabakh était prête et a pu le résister et les a fait reculer. Alors il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup plus de pertes du côté azéri. Il y a eu 104 tués du côté des Arméniens. Mais ce sont des essais qui sont faits pour tester un petit peu la lâcheté des pays occidentaux et leur capacité de réponse et de quelle manière est-ce qu'ils vont répondre. Ils sont parfaitement sereins, ils sont parfaitement confiants dans la lâcheté de l'Europe. Dans la lâcheté de l'Europe, il y a aussi la France qui fait partie de l'Europe. Fort de toutes ces assurances, ils sont parfaitement capables de filmer des atrocités par centaines, de les envoyer parce que ceux qui commettent ces atrocités sont considérés en Azerbaïdjan comme des héros. Ils sont même rémunérés, puisqu'il y avait plusieurs centaines d'euros, je ne connais pas exactement le tarif, je crois que c'était 200 ou 300 dollars, qui était une rémunération pour chacune des têtes de décapités ramenées en Azerbaïdjan ou photographiées. Donc ils sont parfaitement confiants et ils sont parfaitement tranquilles, ils peuvent le faire impunément parce que il y a deux poids deux mesures. Pour des raisons économiques, il y a deux poids deux mesures. Pour des raisons de marché, parce qu'il y a l'argent du pétrole, parce qu'il y a l'argent du gaz. Et les tests qu'ils ont faits au cours des années précédentes se sont révélés positifs, se sont révélés à leur avantage, ce qui leur a permis de faire toutes ces atrocités dans l'impunité la plus totale, même dans la tranquillité qu'ils avaient que ces images n'allait pas être diffusé grand public. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ce que vous avez vu dans ce bunker Alors, je garde en mémoire plusieurs choses. D'abord, le rôle des femmes, qui est un rôle exceptionnel. Le comportement des femmes, je suis toujours très ému lorsque j'en parle, parce que avec abnégation, avec courage et avec résilience, elles se sont occupées des blessés lorsque c'était dans leur champ de compétences. Et elles se sont occupées de remonter le moral des troupes, de ne jamais se plaindre, d'encourager les médecins, d'encourager les chirurgiens. Et à aucun moment, elles n'ont montré leur peur. Ça, c'est la première. Parce que l'hôpital a été bombardé ? Oui, l'hôpital a été bombardé. Il a été bombardé par des armes lourdes, en particulier avec des missiles Smerch. Nous avons failli d'ailleurs être des victimes et probablement je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler si les tireurs arméniens n'avaient pas dérouté un missile Smerch qui était directement dirigé sur l'entrée de l'hôpital où nous étions sortis un petit peu pour prendre l'air après être restés au premier sous-sol enfermés depuis plusieurs jours. C'est pas un problème pour eux d'attaquer l'hôpital, c'est pas un problème pour eux d'attaquer les civils, ils les font même en priorité. C'est pas un problème pour eux de tuer des enfants. Les maternelles ont été prises pour cible
en priorité, en particulier la maternelle, les maternelles de la ville de Mardouni, qui est une ville frontalière de l'Est. Et c'est pas du tout, ça leur pose pas d'état d'âme. Leur but, c'est de faire une épuration ethnique, c'est de faire un génocide, rentrant directement dans la définition de Raphaël Lemkin. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir depuis le mois de décembre 2022 sur ce qui se passe ? Et là encore, on a très peu d'informations de la part des grands médias. Est-ce que vous pourriez expliquer au public ce que vit la population depuis la fermeture de l'unique route qui relie donc le Haut-Karabakh à l'Arménie ? Pour que les gens comprennent bien comment ça se situe géographiquement, les habitants du Haut-Karabakh n'ont qu'un seul moyen pour se rendre en Arménie, c'est cette route qu'on appelle communément le corridor de la Chine et qui est bloquée donc depuis le 12 décembre 2022, me semble-t-il. Donc comment vit la population ? Il me semble qu'elle est estimée là aujourd'hui à 120 000 dans cette enclave. Qu'est-ce qui se passe ? Comment elle se nourrit ? Est-ce qu'elle a accès à des médicaments ? Est-ce qu'elle a accès au gaz ? Est-ce que les hôpitaux peuvent fonctionner ? Enfin, l'hôpital peut fonctionner normalement ? Qu'est-ce qui se passe dans cette zone dont on n'a aucune information depuis décembre dernier ? Alors, cette zone, bien entendu, qui n'intéresse personne ou qui n'intéresse que très peu de personnes, qui n'intéresse pas trop les gouvernements et en particulier les occidentaux, est une zone qui est la zone restante après la fin de la guerre. Lorsque la Russie a sifflé la fin de la guerre, il restait cette zone et tous les habitants sont revenus. 120 000 personnes, ce sont tous les habitants. Ils sont revenus parce que c'est leur terre, qui est deux fois millénaire, et que c'est une légitimité. Et plus il y aura de la pression, et plus ils auront, eux, du courage pour rester. La difficulté, ce sont bien entendu des difficultés quotidiennes. C'est complètement fermé. D'abord, ils se nourrissent parce qu'ils cultivent. Ensuite, ils arrivent à avoir un petit peu d'Internet, un petit peu de gaz de temps en temps. L'électricité, c'est avec des coupures. La majorité des points d'eau ont été coupés, mais ils se débrouillent autrement. La solidarité qui était déjà énorme à l'époque, je ne sais pas si on peut aller encore plus loin que la solidarité qui existait déjà avant, a été décuplée. Et à force de courage et de motivation, parce qu'ils sont sur leur terre, c'est encore ça, ils continuent à vivre et ils continuent à rester totalement enracinés à cette terre qui est la leur. Comment justifier la fermeture de ce corridor ? Amnesty International dénonce tout de même la difficulté pour avoir accès à des médicaments, etc. Visiblement, les hôpitaux en souffrent. Vous confirmez ? Ah oui, je confirme totalement. Les hôpitaux souffrent. Il n'y a plus aucun ce qu'on appelle de programme froid, c'est-à-dire d'intervention programmée. Il n'y a que les interventions en urgence qui sont effectuées. Et il y a quelques... la polyclinique qui est ouverte en partie, mais pas en totalité, justement, faute d'approvisionnement en médicaments. Donc, bien entendu, les hôpitaux souffrent. Les médecins restent, aucun médecin n'est parti. Ils sont tous restés. Et à chaque fois que je les ai au téléphone, le discours final est le même. De toute façon, nous, on reste sur place. On reste sur place et on reste fermement sur place. Est-ce que des femmes ont quitté le Haut-Karabakh ou... Les femmes sont toujours dans le Haut-Karabakh et elles continuent de jouer leur rôle majeur dans la vie quotidienne et dans la vie sociale. Elles restent, les écoles sont ouvertes, l'enseignement est fait, puisque une priorité à l'enseignement, c'est dans la culture arménienne quelque chose de primordial, les études. Donc les écoles continuent, les maternelles continuent, malgré le danger. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées de protection, bien entendu, grâce à la surveillance des quelques soldats qui restent et qui gardent difficilement les frontières, puisque avant il y avait 200 km de frontières. Maintenant, même si ça s'est réduit au tiers, il y a 370 km de frontières. Ça a été fait exprès. Ça a été fait sciemment, de manière à ce que ça soit difficile et qu'ils puissent rentrer comme ils veulent, comme dans un moulin. Et ils ont coupé les points d'eau, ils ont pris toute l'énergie hydroélectrique. Il doit rester quelques petites sources qui leur donnent un petit peu d'électricité.
mais c'est la débrouille de tous les jours. Ça ne les empêche pas de célébrer des mariages, ça ne les empêche pas d'avoir des naissances dans les maternités, et ça ne les empêche pas de fêter les fêtes traditionnelles et religieuses. Vous me disiez tout à l'heure que certains regards vous restent en mémoire ou vous hantent encore. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ces regards ? Oui. C'est vraiment quelque chose qui me reste dans l'esprit, qui me reste en mémoire. Vous savez, quand on était dans le bunker, les blessés arrivaient par vagues. C'est-à-dire pendant une heure, on n'avait rien, et tout d'un coup, il y avait une série d'ambulances qui nous amenaient 15 blessés d'un coup. Alors, les blessés, soit ils étaient intubés, ventilés, ils étaient dans le coma, soit c'était de la chirurgie orthopédique, la chirurgie traumatologique plus exactement, due à ces armes extrêmement destructrices. Et malgré les délabrements, le regard de ces jeunes de 20 ans, des moins jeunes et des encore moins jeunes qui ont été à la guerre, était un regard qui en disait vraiment long. Ce regard disait, il était quasiment le même chez tout le monde. Il disait, on est là pour défendre notre terre, vous inquiétez pas pour nous, on est encore vivants. Et quand allons-nous pouvoir vivre en paix ? Ce sont ces trois phrases, alors que c'est vraiment uniquement la paix, c'est pas un pays expansionniste, c'est uniquement la paix que recherchent l'Arménie et le Karabakh. C'est ces trois phrases que je pourrais résumer dans leur regard. Souvent, les Arméniens parlent d'une volonté génocidaire. Alors ça peut nous, en tant que Français, nous sembler exagéré, parce que c'est un terme que l'on emploie avec beaucoup de pincettes. Il est lourd de sens. Expliquez-moi pourquoi de nombreux Arméniens qualifient, et même depuis 2020, la volonté du gouvernement azéri de vouloir accomplir un génocide, ce qui est une accusation très grave. Alors, d'abord, la définition, c'est celle de Raphaël Lemkin au début des années 40. Il pensait également à l'Arménie lorsqu'il a fait la définition qui était à l'époque un néologisme. Les expressions qui sont employées par les bourreaux sont le reste de l'épée. Ça veut dire les Arméniens que l'on n'a pas pu exterminer en 1915 à 1916, et ensuite également en 1922-23, on va terminer le travail maintenant. Deuxièmement, il y a, comme dans les jeunesses hitlériennes, des écoles dans lesquelles, et d'ailleurs les films sont envoyés, ce sont des documents parfaitement authentifiés, où on développe, on enseigne et on développe la haine aux jeunes enfants qui, pour certains, ne sont même pas encore adolescents. Leur manière de fonctionner et leur manière de tuer les gens, c'est tuer les gens toutes couches de la population confondues. C'est éliminer pour éliminer. Est-ce qu'on peut regarder quelques images ? Oui. Elles viennent d'où, ces images ? Ça, c'est des images qui ont été envoyées donc par les soldats. Elles ont été authentifiées. On y voit un jeune homme égorgé vivant, tenu par deux autres soldats. Ils sont trois. C'est quoi, ça ? C'est une image totalement surréaliste. Comme vous voyez, c'est un soldat azerbaïdjanais, puisqu'il a le drapeau azerbaïdjanais sur son bras droit de son uniforme. Et ça veut dire, c'est un chrétien, de toute façon, on l'égorge, c'est normal, c'est tout ce qu'il mérite. Et ça veut dire, de toute manière, on vous envoie les photos, comme ça, vous allez pouvoir avoir une douleur supplémentaire, et en particulier pour les familles. Et ça veut dire également, troisième message, vous voyez les pays occidentaux, nous on est des Turcs, donc on fait ce qu'on veut, on n'a pas peur de vous parce que vous, vous êtes des lâches. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ne suis pas là. Je suis 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 là. Je su
Şanssızlar böyle. Sen doğan. Bak gel bak biz Bolu'dan keser. Böyle ezanla. Şehitlerimizin kanı o belenci yazdı. O belen. Başkanı zülüyor. Şerefsizimiz başlıyor. Oo tanışır ha. Dindi daha. Est-ce que vous pouvez me commenter cette image? Qu'est-ce qui vient de se passer là, s'il vous plaît? Alors, c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure quand c'était le début de l'égorgement. Donc là, il est égorgé, décapité, et on le met sur ou dans une partie des entrailles d'un porc. Parce que pour eux, le porc, c'est un animal évidemment qu'on ne consomme pas, parce que le porc représente pour les musulmans l'animal à bannir par excellence. Donc là, ils assimilent le soldat arménien à un animal, et pas n'importe quel animal, donc à un porc, ce qui veut dire que de toute façon, ils ont parfaitement le droit de le faire, c'est-à-dire égorger un porc ou égorger un arménien, c'est pour eux, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont dit rapidement, substance, pendant cette date? Ils parlent en turc, en azerbaïdjanais, qui est comme un dialecte turc, un peu, dont les racines sont tirées de beaucoup de mots en turc. C'est-à-dire que quand on comprend le turc, on comprend ce qu'ils disent. On les entend ricaner, déjà. Donc, pour eux, si vous voulez, cette vidéo va être vécue en Azerbaïdjan comme une vidéo humoristique dans laquelle les bourreaux seront considérés comme des héros. Vous êtes étonné que ce type d'image n'ait pas frappé l'opinion publique française ? Je ne suis pas étonné de cela. Je suis étonné qu'elle n'ait pas été diffusée normalement. Si elle avait été diffusée normalement, elle aurait frappé l'opinion française. Je pense que les Français sont des gens qui, pendant des décennies, pendant des générations, ont accueilli des personnes qui étaient en grande difficulté, dont la vie était en danger dans leur pays. Et les Français ne peuvent pas rester insensibles à ça. Aucun être humain ne peut rester insensible à des images pareilles. Simplement, ces images sont censurées, même si c'est flouté, on aurait pu parfaitement les montrer. Et il y a une omerta sur les crimes pratiqués par l'Azerbaïdjan. Il y a une omerta et je suis... étonné, mais c'est pas la première fois que je suis étonné, et je pense ne pas être le seul, qu'on les retrouve d'ailleurs pas du tout, ces images-là ou d'autres, sur les chaînes de télévision publiques françaises. Ça, qu'est-ce que c'est ? Je pense que là, c'est un prisonnier que vous voyez qui est déjà très dénutri. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est là depuis 2 heures. Et là, ce que l'on voit, c'est un morceau d'intestin qui est à l'extérieur de son corps. Ce morceau d'intestin, il a probablement été fait par eux-mêmes de manière à ce que ça soit une forme de torture pour terroriser ce jeune soldat qui est un des prisonniers. C'est le lot de tous les prisonniers, hein, ce type de... Alors ils sont imaginatifs parce que là c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Là, il est dénutri, en fait. Il est là, il est extrêmement maigre. Ça veut dire qu'on ne lui a pas donné à manger depuis plusieurs jours. On a pratiqué sur lui des humiliations. Et ils ont quand même fait un pansement très sommaire. Et ils ont fait sortir, à vif d'ailleurs, une partie de son intestin. Je pense qu'il va s'infecter dans très peu de temps. Donc on a fait sortir l'intestin de ce soldat-là, vivant, parce c'est que ça. Cette personne... Vivant. Vivant, c'est-à-dire qu'au début, on l'a vu, il était inconscient. Alors, peut-être que la deuxième partie est peut-être postérieure à celle-ci, et qu'ensuite, il perd connaissance. Bon, et je pense qu'ils l'ont exécuté après.
En tout cas, il est très certainement l'objet de torture, puisque on voit qu'il a des marques d'ecchymose sur, il a des ecchymoses sur le visage et qu'il est extrêmement dénutri. Son état, on voit la couleur de sa peau et à sa maigreur. Combien de temps on laisse un homme sans boire ni manger pour en arriver à là, à c'est ce type de... là, c'est, je dirais, 2 semaines. C'est effroyable, c'est absolument effroyable. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Vous les aviez vues, ces images, ou pas? Non. Moi, j'ai des images très, très complexes. Hein. Non, je n'avais pas vu ces images. Et puis, parce que, même si j'avais pu y avoir accès, c'est pour ne pas tomber dans leur jeu, je zappe ce type d'image pour pouvoir, justement, ne pas être dans leurs objectifs. Elles ont été envoyées donc sur les réseaux sociaux, elles ont été vues par les Arméniens, oui. Ces images, par les familles. Oui, et en particulier par la famille de... Ils l'ont fait d'ailleurs lorsque Madame Avetian, qui est cette femme qui a été exécutée, violée d'abord, démembrée, exécutée, dont on a arraché les yeux, on a remplacé les yeux par des pierres, tout ça dans les ricanements identiques aux ricanements que vous venez d'entendre. Et cette vidéo, en totalité, a été envoyée à sa famille. Donc là, vraiment, on est dans un niveau extrêmement élevé de barbarie. C'est absolument inconcevable. Je pense que même dans le règne animal, il n'existe pas ce genre de comportement. C'est un comportement d'humanoïde. Ce n'est pas un comportement, bien entendu, d'être humain. C'est même pas un comportement d'animal. Je pense que les ours, les tigres, les lions, etc., même les hyènes ne feront pas ce genre de choses pour le plaisir. Parce que là, c'est un plaisir pour eux. Ils ricanent et ils vont devenir des héros dans leur pays. Et ils vont devenir des héros dans leur famille. Ils vont être félicités par leurs voisins quand ils vont rentrer. Je vais aller chercher un deuxième ordinateur, je vais continuer. Parce que vous comprenez, la grande difficulté que nous avons, c'est que ces images n'ont été vues par personne, et alors qu'elles ont été remises et par l'ombudsman du Haut-Karabakh, et par l'ombudsman d'Arménie, et par l'ambassade arménienne, elles ont été authentifiées. Mais avoir votre regard et votre expertise nous sera très utile pour avec plaisir. Les transmettre au plus grand nombre. Üçün qulaqlarını da kestim. Bu ayda qamın ərməni. Bunu qovdum şən. Bizi sürük mü təri düşün. Qamın nə qovdum. Sən gəl mənə. Öl gəl. Alors, comment c'est possible et qu'est-ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît? Alors, on vient de voir la manière dont l'humiliation existe après la mort. Ça ne suffit pas, en fait, de tuer cet homme qui est probablement père de famille. Il faut ensuite qu'on lui coupe les oreilles, qu'on ramène les oreilles ou qu'on donne les oreilles à manger aux animaux et qu'ensuite on poursuive en le massacrant, un peu comme pour déverser une haine ou un peu comme pour dire voyez ce qu'on est capable de faire, on va vous terroriser, vous allez, parce qu'on va vous faire la même chose si vous restez. Ce qu'on vient de voir, là, on a quand même vu des coups de couteau dans un nez, les oreilles arrachées, les yeux crevés. Oui. Enfin, je veux dire, c'est même pas de la torture, là, à ce niveau-là. C'est un acharnement sur le visage. C'est ça. Tous les membres sont découpés. C'est simplement... Alors, tous les membres sont découpés parce que si un jour, ils étaient amenés à rendre le corps au cours de négociations, etc., aux familles, ils rendent le corps, donc, OK, on rend le corps, mais ils rendent le corps abîmé pour que les familles aient encore plus mal de savoir que cet homme a été... peut-être torturé avant sa mort, pas forcément après sa mort, et que c'est encore plus douloureux. Ça ne suffit pas de perdre un être cher, ça ne suffit pas de perdre un être à la guerre qui est jeune, mais en plus, pour majorer la douleur, eh ben, on a fait des choses supplémentaires pour qu'il y ait la marque de fabrique azérie sur ce corps. Les bombes au phosphore ont été utilisées à la fin de la guerre
des 44 jours, peut-être dans les deux dernières semaines, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que ce sont des armes qui sont totalement interdites par les conventions internationales sur les armes de guerre, au même titre que les cassettes à sous-munitions, qui sont des armes extrêmement destructrices, puisqu'une fois que la bombe mère a explosé, il y a ensuite toute une série d'explosions de la taille d'une balle, et il reste 30% de balles qui n'ont pas explosé, ce qui fait qu'à la sortie, quand on marche dessus, ça explose de nouveau. En fait, ce sont des bombes qui tuent à trois reprises et un grand nombre de personnes. Ça, ce sont les cassettes à sous-munitions. Il y a également les bombes au phosphore, qui, outre le fait qu'elles soient interdites, elles massacrent complètement, en plus, la faune et la flore locale. Les cultures, elles détruisent les êtres humains parce que le phosphore, lorsqu'il est au contact de la peau, il rentre à l'intérieur et il poursuit ses dégâts, il poursuit ses lésions jusqu'à plusieurs centimètres de profondeur. Donc ça, c'est totalement interdit. Pour justifier le soutien à un pays qui est en guerre, souvent l'opinion publique dit partager les mêmes valeurs. Partageons-nous des valeurs communes avec l'Arménie ? Bien sûr, et moi je peux vous le dire de manière parfaitement factuelle, la France est un pays démocratique, est une démocratie, l'Arménie est une démocratie. La France est une terre d'asile pour les ressortissants de pays où leur vie est en danger. L'Arménie a fait ça de la même manière avec la guerre de Syrie, où elle a accueilli des Syriens. Elle leur a donné un toit, elle leur a donné de quoi se nourrir. Certains se sont même fixés maintenant en Arménie et ont un travail. Elle l'a fait avec les Yézidis, qui étaient persécutés en Turquie. Elle l'a fait avec les Kurdes aussi, persécutés en Turquie. Et elle l'a fait avec les Assyro-Chaldéens. Ensuite, la place de la femme en France et la place de la femme en Arménie est rigoureusement identique. Il n'y a pas besoin de certificat de virginité aux jeunes femmes ou aux jeunes filles pour se marier. Le droit de vote en Arménie a été donné en février 1919. Et puis la francophonie. Il y a quelques années, le sommet mondial de la francophonie s'est déroulé en Arménie. Tous les pays du monde francophones sont venus pour le sommet en Arménie. On partage parfaitement toutes ces valeurs et certainement bien d'autres avec la France. Merci. Est-ce que vous avez une pensée pour la fin après cet échange qui est La pensée, c'est un grand souhait de lucidité des pays occidentaux. Pour les pays occidentaux, parce que vous voyez, lors du génocide arménien, personne n'a bougé. Et la France n'était pas aux côtés des Arméniens, la France n'a pas particulièrement sauvé. Les Arméniens qui ont été sauvés par des Français, c'est vraiment des initiatives individuelles. L'amiral d'Artige, qui sur son bateau a accueilli et a sauvé des milliers d'Arméniens, c'est une initiative personnelle. Ce n'était pas, au cours de la Première Guerre mondiale, une initiative du ministère de la Marine. La Turquie n'a pas été punie pour cela. Ça n'a pas empêché l'Allemagne d'effectuer, de perpétrer le génocide juif, la Shoah, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, Hitler a dit, quelques années avant de commencer, à un de ses généraux qui lui avait fait cette remarque, « Mais vous ne pensez pas qu'on va avoir l'humanité contre nous ?» Et Hitler de lui répondre, « Qui se souvient aujourd'hui du massacre des Arméniens ?» Le mot génocide n'était pas encore créé à l'époque par Raphaël Lemkin. Il y a eu la Shoah. Au cours de la guerre des 44 jours, personne n'a bougé. Il y a eu la guerre d'Ukraine. Parce qu'à chaque fois, c'est l'Europe et l'Occident qui étaient testés. Si maintenant on n'arrête pas l'Azerbaïdjan, mais maintenant tout de suite, si on n'arrête pas l'Azerbaïdjan avec l'alliance turco-azerbaïdjanaise, on va tout droit vers une troisième guerre mondiale. C'est inéluctable, pas d'avoir une troisième guerre mondiale, mais l'obligation d'arrêter et de stopper l'Azerbaïdjan et cet axe du mal turco-azerbaïdjanais pour pouvoir espérer aller de faire un pas vers la paix dans le monde.
Qu'est-ce que vous attendez? Quelle serait la solution la plus viable pour le Haut-Karabakh? La solution viable pour le Haut-Karabakh, c'est simplement d'abord que l'Azerbaïdjan se retire des territoires souverains arméniens qu'elle a conquis, enfin qu'elle n'a pas conquis, qu'elle a envahi de manière totalement illégale, puisqu'il y a 150 km² qui actuellement sont occupés par l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une libre circulation parfaitement paisible entre l'Arménie et le Karabakh, et que des territoires dans le Haut-Karabakh leur soient rendus de manière à ce qu'ils puissent avoir leur point d'eau, les centrales hydroélectriques, ce qu'on leur a volé pour pouvoir s'installer et mener une politique de terreur qui n'est faite que dans l'esprit de Ilham Aliyev pour rester en place, parce que son trône actuellement, il le garde, parce que sa politique est totalement basée sur la haine de l'Arménien et la responsabilité, comme n'importe quel génocide. D'abord, le début d'un génocide, c'est de prendre une ethnie et de la rendre responsable de quelque chose d'antipatriotique. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé pour les Turcs en 1915, et bien avant, puisque ça n'a pas vraiment commencé en 1915. Il y a eu tous les préparatifs et tous les débuts de génocide qui ont été faits. Ça a été la même chose pour Hitler avec les Juifs, qui rendait les Juifs responsables de tous les maux de la terre. Voilà. Et là, c'est la même chose avec Ilham Aliyev en disant: ils ont tué des gens de votre famille, ils ont fait telle chose, alors finalement de la désinformation et du mensonge. Donc, il faut les exterminer. Pour le mot de la fin, pourriez-vous rappeler combien de morts compte le génocide arménien, s'il vous plaît ? 1 500 000 morts au début du XXe siècle, dans la seule année 1915. Merci. Merci à vous.